Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée et dans ce 256e épisode on va parler de l'errance identitaire. Chaque vendredi on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur se sentir bien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle de thérapie ou de coaching en ligne. Et pour cela, rendez-vous sur se sentir bien.coach. Prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers français avertis. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui, bonne écoute Bienvenue, bienvenue dans cet épisode d'aujourd'hui en ce vendredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va, c'était la semaine de la rentrée alors autant vous dire que c'est une semaine euh, chaque année qui est toujours une semaine assez chargée parce que c'est le moment où, où je lance des nouvelles choses. En général c'est le moment où je reviens sur la chaîne YouTube et euh, dans le podcast et j'ai pas d'enregistrement d'avance. <laughs> voilà, non pas que j'en ai toujours toute l'année mais dans l'ensemble j'essaie quand même d'avoir au moins des choses décrites et donc à chaque fois, voilà, c'est une grosse semaine, mais c'est une semaine en général où je suis heureuse de revenir parce que euh, mon travail m'a manqué pendant le mois d'août. <laughs> c'est là qu'on sait qu'on est dans le bon job. C'est quand on commence à se lasser. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Et moi, ça m'arrive quand même régulièrement quand je fais une pause. Ça me fait du bien, mais il arrive un moment où en fait j'ai besoin de reprendre parce que euh, bah, les... Les personnes que je suis en thérapie, ça me manque de les suivre, ça me manque de les retrouver. Euh, les vidéos, ça me manque de les faire. J'ai plein d'idées euh, et je commence à avoir une espèce de liste un peu longue. Enfin voilà. Je sens que j'ai envie de remettre le pied à l'étrier. Donc c'était une grosse semaine, euh, mais je suis très contente d'être là et de vous parler de ce sujet qui est l'errance identitaire. Euh, avant ça, justement parce que c'est la rentrée, je vous rappelle qu'il y a actuellement. Euh, une offre euh, sur le lancement de mon programme qui s'appelle Coup de main. Donc jusqu'au 15 euh, septembre 2024, vous avez moins 50% sur le premier mois d'abonnement. Et qu'est-ce que c'est que Coup de main C'est un endroit, en fait c'est un peu le mixte de tous les programmes que j'ai pu faire jusqu'à maintenant où j'ai euh, testé plein de choses en fait. Hein. Ça fait quand même pas mal d'années. Si vous êtes là depuis le début sur le podcast, vous, vous avez pu le voir, mais j'ai testé beaucoup de choses différentes. Et euh, je suis arrivée un petit peu à à cette conclusion que j'avais envie d'un endroit où je me rends compte que ce qui en fait ce qui vous sert le plus c'est de réussir à mettre des habitudes en place d'avoir un endroit où vous avez une forme d'accountability. Donc j'ai voulu faire un programme qui reprend ce pilier principal, mais il y a aussi ce besoin de communiquer avec d'autres personnes qui vivent la même chose, les autres personnes qui écoutent ce podcast, parce qu'on se sent isolé quand on travaille sur soi, quand on fait tous ces questionnements de développement personnel, quand on se pose tout un tas de questions, on n'a personne avec qui discuter, avec qui réfléchir. Donc il fallait un endroit qui permette ça. Plus, bien sûr, euh, des séances de coaching, des endroits où on peut avoir accès à un thérapeute, à un coach, et euh, des espaces de dépose aussi, des endroits où on peut juste parler, déposer comme on se sent. Bref, euh, cet endroit, euh, il est beaucoup basé sur euh, l'ancienne communauté, euh, auquel j'ai rajouté cette idée d'habitude qu'il n'y avait pas dans l'ancienne communauté. Et j'ai décidé de pas appeler ça la communauté parce que, euh, même si c'est un format abonnement, pour moi, une communauté, ça peut pas. Je ne sais pas comment dire, j'ai jamais été trop à l'aise avec euh, cette idée de, de communauté. Alors, non pas... Que c'est parce que c'est parce qu'en réalité, je sais très bien que vous êtes un groupe qui écoute les podcasts et que vous reconnaissez dans les idées qui sont défendues, dans la vision du monde, etc. Mais il euh, y a un, un côté un peu sectaire, je pense, euh, qui ne l'a jamais été évidemment. La communauté n'a jamais été à dérive sectaire, bien heureusement. Mais dans le mot et dans l'idée, moi ça me me plaît pas. Et je pense surtout que vous faites de fait partie de la communauté euh, qui écoute ce podcast, que vous soyez abonné à un abonnement payant ou pas. Et ça, j'ai pas envie de le faire payer. Donc euh, voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens pour moi de faire euh, payer, c'est l'accompagnement, c'est le fait de vous proposer des outils. Et donc, dans cet endroit, on se retrouve tous les matins à 10h du lundi au vendredi pour faire une méditation et un flot de pensée. Vous savez mon amour du flot de pensée, vous savez ce que je pense de ça et de combien c'est un pilier dans tout le travail que je vous propose en auto-coaching, en auto-évaluation, en travail, en autonomie et combien ça fait du bien sur la gestion des émotions et de l'anxiété au quotidien. Et il y a aussi euh, donc de la méditation. La méditation, je pense qu'il y a suffisamment de recherches aujourd'hui pour montrer à quel point ça a plein d'intérêts et de bénéfices sur le corps et sur l'esprit. Donc je pense que ce sont typiquement des bonnes habitudes à prendre. Évidemment, on fait ça 5 jours par semaine, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça 5 jours par semaine. Comme je dis souvent, cet endroit, c'est un peu la salle de sport du cerveau. Donc, tu n'es pas du tout obligé d'y aller euh, tous les jours, de faire tous les trucs qu'il y a dans cette salle de sport. Enfin, c'est pas parce que tu as inscrit une salle de sport que tu vas à tous les cours. Donc, voilà, vous le faites à votre rythme, mais c'est un endroit, en tout cas, où vous pouvez prendre cette habitude. Euh, je vous propose des, des méditations guidées. Donc, euh, je vous, je vous, euh, il y en a que je vous guide moi-même. Il y en a que je vous propose qui sont des méditations que j'ai trouvées, et que j'ai spécialement sélectionnées pour vous et on les fait ensemble. Euh, les questions que je vous pose tous les jours, il y a des choses sur tous les domaines de vie, donc c'est des questions que je vous prépare aussi qui vont vous permettre de vous auto-coacher et de euh, gratter un petit peu la surface euh, de ce qui est présent dans votre esprit. Ça vous permet aussi de faire une douche de cerveau hein, tous les matins, ce qui est quand même pas mal hein, pour tout ce qui est euh, question de gestion émotionnelle. Et puis bah, toutes les semaines, il y a un coaching de groupe thématique. Donc, la thématique change chaque semaine. On va parler d'estime de, de soi, de rapport à soi, on va parler de rapport aux autres, de conflits, de relations à la nourriture, mais aussi de travail, de, de, des conflits qu'on peut avoir au boulot, mais aussi de la création d'entreprises. Enfin, tous les sujets que vous pourriez m'amener sur lesquels vous, vous avez vraiment besoin d'aide et d'accompagnement. Donc ça, on le fait une fois par semaine. Et vous avez également un groupe de réflexion. Euh, bah là, au moment où vous écoutez ce podcast, le groupe de réflexion, il sera la semaine prochaine parce que c'est euh, tous les euh, deuxièmes mercredis du mois où on a un groupe de réflexion où, là, pour le coup, on discute et on réfléchit ensemble à des thématiques qui nous parlent. Donc on choisit ensemble le sujet. Euh, en général, c'est des choses évidemment qui vous touchent. J'avais déjà fait ça quelques fois de manière ponctuelle dans l'ancienne communauté. Et des cercles de parole, qui sont des espaces où il n'y a pas de débat, justement, où il n'y a pas non plus de coaching ou d'aide. Euh, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un espace de dépose. C'est les seuls appels euh, qui ne sont pas euh, enregistrés et où il n'y a, a pas de replay. Euh, ce format euh, cercle de parole, parce que c'est un endroit qui se veut... Euh, un Endroit, si vous voulez, avec une forme de confidentialité et d'espace sécuritaire où, euh, où l'idée c'est de, de faire un entre-soi avec les personnes qui sont présentes dans l'appel et de pouvoir déposer, tester des choses, dire des choses et, et tout son contraire cinq minutes plus tard ou être plus d'accord avec ce qu'on a dit la semaine d'après. C'est vraiment un endroit où on peut, euh, on peut déposer de la vulnérabilité aussi et on n'a pas forcément envie d'être filmé pour ça. Donc, euh, donc voilà. Bref, c'est un super programme. Honnêtement, je suis extrêmement fière de ce que je vous propose là. C'est. Le programme que j'aurais aimé être capable de proposer dès la première version de la communauté, en toute honnêteté, mais je n'avais pas, bah pas l'expérience, tout simplement. Et, euh, et voilà. Et là, il y a deux tarifs. Il y a un tarif à 95 euros par mois, qui est euh, l'équivalent d'une séance de thérapie ou de coaching avec moi, euh, qui est le tarif normal. Et vous avez un tarif à 65 euros par mois, qui est euh, le tarif euh, pour les personnes qui sont euh, étudiantes, au chômage, euh, ou qui ont une aide euh, parce qu'elles sont en situation de handicap ou un RSA. Donc, si vous pouvez bénéficier de ce tarif et que c'est approprié pour vous, n'hésitez pas à en bénéficier. Et euh, là, spécifiquement, du coup, jusqu'au 15 septembre, vous l'aurez compris, il y a moins 50% sur le premier mois. Donc, les 15 premiers jours offerts, autrement dit. Hein. Si on compte que c'est à peu près 30 jours le mois. Il me semble que le mois de septembre, en plus, c'est le cas. C'est vraiment 30 jours. Donc, voilà. Donc, si vous voulez profiter de tout ça, n'hésitez pas à aller regarder peut-être plus en détail. Vous avez le lien euh, qui vous sera donné juste en dessous euh, de. De, de, du podcast, mais sinon si vous allez sur mon site se-sentir-bien.coach euh, vous allez dans tous mes programmes, vous allez tomber dessus, et vous pourrez euh, regarder ça de plus près, regarder si le planning vous convient, sachant que bon, il y a des replays, donc si vous pouvez pas le faire en direct, c'est pas très grave, et puis voir si ça vous parle et peut-être l'essayer euh, je pense que c'est un super endroit pour vraiment prendre soin de sa santé mentale sur le long terme et, euh, et avoir un endroit où se retrouver, moi je l'ai vraiment pensé, vous savez, comme un tiers-lieu, quoi, comme en sociologie on appelle ça un tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit qui qui n'est pas la maison, qui n'est pas le travail, mais qui a un troisième lieu, qui souvent est le lieu où on retrouve nos communautés. Euh, dans différentes cultures, on a ça. Ça peut être le bar en bas de chez vous, ça peut être euh, la salle de sport, c'est souvent un tiers-lieu pour beaucoup de gens. Euh, L'église. Euh, ou, ou le lieu de culte de manière générale, c'est souvent un tiers lieu. Et c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'humain de se reconnecter à une communauté. Et je voulais que ça, ça existe et puis que ça soit en ligne. C'est-à-dire que vous pouvez vous déménager, vous pouvez euh, voyager et vous avez votre communauté qui vous suit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disaient aussi avoir besoin de liens, notamment des mamans qui, euh, qui malheureusement en ce moment dans leur vie, parce que leurs enfants sont à bas âge, ont peu d'espace où elles peuvent parler avec des adultes. J'ai pensé à ça, mais aussi juste des personnes qui vivent dans des endroits isolés, soit parce qu'elles sont expatriées, soit parce qu'elles sont dans des endroits en France où, finalement, il y a peu d'espace communautaire avec des personnes qui réfléchissent à tous ces sujets, qui s'intéressent à l'actualité, à la politique, ou, ou juste au développement personnel, aux questions de santé mentale. Donc voilà. Bref, j'en ai déjà beaucoup dit, mais c'est parce que je suis passionnée euh, par cet endroit. Euh, je suis vraiment, euh, vraiment contente euh, de, de pouvoir, en 2024, vous faire cette proposition. Et puis bah écoutez, euh, pour aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'errance identitaire. Alors c'est un concept que je viens d'inventer, je sais pas si ça existe déjà, hein, si ça se trouve il y a quelqu'un qui a déjà inventé le concept, <laughs> mais en fait c'est un concept qui me parle euh, dans l'idée, je pense que le, le mot dit bien ce dont il s'agit mais je vais quand même le définir avec vous. Ce que j'appelle l'errance identitaire, ce serait un peu comme le pendant de l'errance médicale, vous savez, où pendant des années, vous pouvez être en quête d'un diagnostic, où vous ne savez pas ce que vous avez, mais vous avez des symptômes, vous voyez différents spécialistes, différents médecins, différents professionnels de santé, sans trouver ce que vous avez. Dans toute cette période, on appelle ça l'errance médicale, donc cette espèce de moment où vous êtes en recherche. Donc dans la même idée, pour moi, les rances identitaires, c'est toute cette période où vous êtes dans une forme de recherche, dans une forme de recherche de qui vous êtes et vous vous sentez un petit peu perdu dans cette recherche où vous ne savez pas en fait. Vous cherchez différents outils, différentes approches pour essayer de comprendre qui vous êtes, comment vous vous identifiez. Alors, pour pouvoir bien comprendre le concept des rances identitaires, il faut aussi être en mesure de comprendre ce que c'est que l'identité. Et c'est là qu'est un petit peu la. la la difficulté, j'ai envie de dire, parce qu'on euh, ne va pas tous être d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'identité en fonction depuis quel endroit on parle. Est-ce qu'on est, qu est d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue politique Le mot identité ne va pas avoir exactement le même sens en fonction de l'endroit depuis lequel on en parle. Euh, pour moi, dans ma vision, l'identité, c'est une forme de conviction qu'on a de soi-même. On pourrait dire que c'est un peu la représentation qu'on a de soi-même, la vision qu'on a de soi-même, mais. Pour moi, ça, ça serait plus l'image de soi. L'identité, c'est vraiment comment on se ressent, comment on est convaincu d'être. Et souvent, on essaye de faire en sorte que l'image qu'on a de nous-mêmes colle avec cette identité, avec cette conviction qu'on a de nous-mêmes. C'est pour ça que parfois, vous venez me voir avec euh, cette cette impression que euh, vous vous reconnaissez pas. Vous me dites :« Mais c'est pas moi. Ce comportement, ça ne me ressemble pas. Ça n'est pas qui je suis. » ou euh, quand vous avez un surpoids, souvent vous me dites mon corps. Euh, il ne me représente pas. L'image que j'ai de moi à cause de ce corps, qui est donc une image qui est imprégnée de la grossophobie ambiante, en fait euh, cette image que j'ai c'est une image d'une personne qui est euh, euh, qui est feignante, euh, qui euh, ne fait pas assez, qui se prend pas en main, euh, tout un tas de choses comme ça, de caractéristiques grossophobes qu'on attribue aux personnes en, en surpoids ou en obésité et vous dites bah, ce n'est pas moi, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais, je suis quelqu'un qui est capable de faire des choses difficiles et ma vie Vie, le prouve à plein d'égards, et vous avez un peu ce sentiment que votre image de vous-même ne colle pas à votre identité avec ce dont vous avez la conviction, ce, ce, ce à quoi vous vous identifiez. De cette manière-là, on va avoir plein de types d'identité, hein. on parle notamment de l'identité de genre ou euh, pareil, il s'agit d'une conviction qu'on a à l'intérieur de soi qui peut-être sort de nulle part en particulier, hein, cette conviction de je suis telle personne ou je ne suis pas telle autre, en fait, on n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. Peut-être qu'il y a une partie qui est socialement construite, peut-être qu'on a la conviction d'être telle ou telle chose parce qu'on vient de telle ou telle culture et on a été soumis à telle euh, ou telle coutume, idée, euh, outil, etc. dans notre vie, telle personne, tel courant de pensée, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, notre identité, c'est cette conviction-là qu'on a de nous-mêmes. Donc pour moi, l'errance identitaire, c'est quand on ne ressent pas cette conviction-là. Ou on a, ou en tout cas pas tout le temps, pas sur tous les aspects, et on se sent un peu perdu, ou on se dit mais en fait je sais plus trop qui je suis. J'ai une image de moi-même, je me dis des fois, tiens, je, je pense ça de moi-même, je pense que je suis euh, feignant, ou je pense que je suis une bonne personne, ou je pense que je suis ennuyeux, ou j'ai peur d'être ci ou ça, mais je n'ai pas une, une forte conviction de qui je suis. Et on peut être dans cette recherche, du coup, de trouver qui on est. Et souvent, la thérapie, les outils de développement personnel sont des endroits qui vont nous aider à essayer de préciser cette question et de trouver cette conviction-là. Euh, et c'est intéressant cette idée d'identité parce qu'en fait, euh, on, on peut ne pas tous avoir la même définition et surtout cette idée de conviction, il y a des personnes à qui ça ne parle pas du tout. Il y a des personnes pour qui euh, elles ne se posent pas la question de qui elles sont et, et ça va pas être un problème de pas le savoir. Mais si vous êtes euh, ici... Si ça vous intéresse cette question-là, c'est peut-être que comme moi, vous voyez le fait de vous connaître et de savoir qui vous êtes et de vous rencontrer comme euh, un moyen de vous sentir euh, plus présent dans votre vie et que cette présence et cette sensation d'être en, en lien avec soi-même euh, contribue à votre bonheur. Je pense qu'on est nombreux quand même à avoir cette vision-là que euh, le bonheur, c'est quelque chose... Euh, qui est surtout dans l'instant présent, qui est surtout dans ce sentiment un peu palpable d'être là, euh, d'être, euh, en train d'être à un endroit où on, on dit souvent des mots comme je me sens à ma place, je me sens bien là où je suis, je me sens bien entouré. Euh, et pour ça, il faut avoir un certain sens du soi en fait, un certain sens de qui on est, et une certaine conviction que euh, bah oui, on est une bonne personne, que oui, on est comme ci ou comme ça, quelles que soient les caractéristiques en réalité de qui on est, mais un sentiment que l'image qu'on a de nous-mêmes. Et ce qu'on renvoie aux autres, et ce que les autres nous disent, ce que notre environnement nous dit de nous-mêmes, ce que nos actions nous disent de nous-mêmes, ça corrobore avec euh, l'idée et l'intuition profonde et la conviction qu'on a d'être telle ou telle personne. Et là où ça fait souffrir souvent l'errance identitaire, c'est parce que, euh, comme dans le cas de l'errance médicale, en fait, c'est le fait de ne pas savoir, c'est le fait de se sentir un peu, un peu perdu et de se demander, euh, mais en fait. Je suis pas sûre de me reconnaître. Je suis pas sûre de savoir si la vie que je suis en train d'avoir, c'est la mienne. Est-ce que je fais ça plus par identité sociale, justement L'une des identités euh, qu'on pourrait noter, c'est l'identité sociale. C'est le fait d'être euh, comme je suis parce que j'ai été sociabilisée comme ça. Donc, euh, je, par exemple, typiquement, euh, l'identité de genre euh, s'oppose souvent à l'identité sociale, où vous êtes, euh, êtes née euh, dans un corps euh, féminin euh, avec des, des gonades féminines, et du coup, vous vous retrouvez à être euh, nommée femme. Et puis, en fait, l'identité de femme... Au, au sens social ne vous correspond pas. Elle ne correspond pas à votre conviction de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et du coup, on peut avoir une, une dysphorie identitaire, en fait, une dysphorie de genre, là, en l'occurrence. Et donc, on parle de l'identité de genre dans mon exemple. Mais vous pouvez avoir ça dans différents domaines où vous dites, mais en fait, euh, je suis en train d'avoir la vie que je suis en train d'avoir parce que j'ai fait les études que j'ai faites, parce que, voilà, j'étais dans telle école, j'étais avec type de parents Je me suis pas posé la question quand je me la suis posée, de toute façon, les réponses avec je pouvais, euh, enfin les réponses que je pouvais fournir à cette question, elles étaient limitées. Du coup, euh, dans le cadre de ces réponses-là, je suis arrivée à cette, cette conclusion. Mais en fait, aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas la conviction que je suis au bon endroit. Et là, ça peut faire souffrir parce qu'en fait, il y a un décalage et il euh, y a un manque de, de sensation d'être en présence avec soi-même. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça Comment on peut euh, avancer là-dessus Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est en fait, c'est pas grave d'être en errance. C'est pas grave de pas savoir qui vous êtes. C'est pas grave de pas avoir la conviction euh, que vous êtes au bon endroit dans votre vie, que les choix que vous avez faits, c'est vraiment parce que c'est vous et que c'est pas genre la pression sociale ou l'environnement. En fait, c'est pas grave de, de pas avoir la sensation d'être ultra présent et ancré dans tous les domaines de votre vie. Euh, c'est pas grave d'être euh, un peu le produit de son environnement, d'avoir euh, des, des parties de votre identité exprimées qui, en fait, ne sont pas vraiment quelque chose qui part d'une conviction, mais plutôt d'une construction sociale ou de choses que vous avez vues ou que vous avez faites juste parce qu'il fallait bien faire quelque chose et vous n'aviez pas de meilleure idée. En fait, il n'y a, a pas de jugement moral à avoir là-dessus. En fait, il n'y a pas un enjeu, c'est pas, pas grave, en fait, en soi. Ça, c'est le premier truc que j'ai envie de vous dire. Ensuite le deuxième truc c'est que vous avez le droit de vous en foutre. Vous avez le droit de dire en fait, je n'ai pas besoin de découvrir qui je suis et j'en ai même pas besoin pour, euh, pour être forcément euh, heureuse ou heureux. Si là dans les actions que je fais, dans le quotidien que je vis, euh, je me sens bien, même si j'ai pas la conviction que j'ai fait les choses par pur choix et que c'est vraiment ce qui est le plus adapté à moi, en fait, j'ai quand même le droit de euh, d'avoir la gratitude et de reconnaître le fait que là tout de suite ça me fait du bien. Et que là tout de suite euh, je me sens bien dans ma vie. Et que oui, peut-être que contrairement à d'autres personnes qui ont l'air de super bien se connaître, qui ont l'air de, de bien connaître leurs mécanismes, leur fonctionnement, euh, leurs réactions, leurs émotions, de bien les comprendre, comprendre les besoins qu'il y a derrière, etc. Si ce n'est pas mon cas, mais que je me sens bien dans ma vie, en fait je n'ai pas besoin d'en de faire un problème. Maintenant, la dernière, euh, le dernier aspect que j'ai envie d'aborder, c'est si jamais, en fait, ça vous fait souffrir, si jamais ça se met en péril dans votre sentiment de présence et de bonheur, où, en fait, vous voyez que vous, ça, ça vous impacte, le fait de ne pas bien vous connaître, le fait de ne pas vous sentir... Euh, euh, comment dire, sûr de qui vous êtes, dans certains, au moins dans certains aspects de votre vie, en fait, vous voyez que ça vous fait souffrir, que les choix que vous avez faits ou que votre environnement euh, choisit, bah, en fait, il ne vous convient pas, que en fait, ça vous rend malheureux ou malheureuse, que vous êtes en dehors de vos fonctionnements. Dans ce cas, comment vous pouvez faire En fait, moi, j'aurais tendance à euh, orienter les personnes qui sont dans cette situation vers le fait de aborder le truc un peu comme un jeu. Et comme quelque chose de très exploratoire. Et de pas hésiter à juste euh, vous rencontrer à travers différentes pratiques, à, dif... à travers différents domaines. Euh, ça peut être des activités que vous faites, où vous dites tiens, je sais pas pourquoi, je vais m'inscrire à du théâtre, ou je vais m'inscrire à un cours. Euh... De poterie où je vais m'inscrire pour un voyage organisé avec d'autres jeunes adultes, voilà. Je suis jamais, jamais été dans ces milieux-là et juste je vais explorer voir ce que ça fait, voir comment je me sens. Est-ce que je me sens en décalage Est-ce que je me découvre à travers ça Est-ce que si j'essaye un peu un peu comme si vous essayiez, vous savez, différents vêtements. C'est comme si vous saviez pas quel est votre style et vous dites bah tiens je vais aller dans un magasin de vêtements et puis je vais essayer des robes, des pantalons, euh, des trucs que j'aurais pas pris du tout, des couleurs que j'aurais jamais essayées et puis je vais voir comment je me sens dedans. Il y aura des trucs où ça va être cringe et vous vous direz, oula, oui, je sais pourquoi je n'avais pas essayé ces trucs-là, en fait ça ne me va pas du tout. Et puis il y a des trucs où vous serez peut-être surpris ou surprise, vous dire, putain mais en fait, je me sens bien dans telle ou telle matière. En fait, euh, j'aime bien euh, tel ou tel look sur moi. Ben là, ça va être un peu la même chose. Vous pouvez l'aborder comme un, un jeu exploratoire, de vous dire en fait, j'ai toute la vie pour me découvrir et pour apprendre à me rencontrer et me connaître. Donc je peux juste tester et faire des choses avec moi-même. Ça, c'est souvent quelque chose que je vous ai déjà dit. Si vous voulez apprendre à connaître une personne, comment vous faites Ce que vous faites généralement, c'est que vous allez euh, proposer un rencard à cette personne, vous allez lui poser des questions, vous allez passer du temps avec elle, faire des activités avec elle pour apprendre à connaître cette personne. Vous allez peut-être passer des heures au téléphone, vous allez peut-être lui écrire des lettres, même si on fait plus trop ça aujourd'hui. Euh, vous allez vraiment vivre des expériences avec cette personne. Vous ne vous attendez pas à la connaître tout de suite, vous savez que c'est quelque chose qui va se construire. Eh bien, pour vous-même, c'est exactement la même chose. Si vous voulez développer cette conviction de qui vous êtes, euh, ce sentiment d'être en, en lien avec qui vous êtes vraiment, en fait, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de passer du temps avec vous-même et de vous intéresser à vous-même, en fait. Comment vous pouvez vous intéresser à vous-même bah, Peut-être faire des activités, vous proposer des choses et y aller de manière euh, très... Euh, exploratoire et sans attente, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de vous imaginer d'abord qui vous êtes et de vérifier si vous collez à ce truc-là, mais vraiment d'être dans une forme de curiosité. Donc vous avez les activités, vous avez aussi le dialogue. Comment est-ce qu'on dialogue avec soi Bon, la thérapie ça peut être un moyen de dialoguer, de s'entendre à voix haute, euh, parler, parler de son histoire, de se raconter, de voir ce qui sonne juste, ce qui sonne faux. Euh, ce dont on a la conviction, ce qui semble être plutôt une représentation, quelque chose qu'on qu raconte, qu'on dit comme ça, mais qu'en fait, quand on s'écoute, on ne le sent pas comme quelque chose de juste. Donc la thérapie, c'est un moyen. Euh, un autre moyen, c'est euh, l'auto-coaching. C'est le fait d'écrire, de, de, faire du flot de pensée. En fait, vous rencontrez tous les jours ou tous les quelques jours, mais de vous poser des questions avec curiosité. C'est quelque chose que je vous ai souvent dit. En fait, le simple fait de vous poser une question et de voir quelle réponse sort spontanément, sans avoir euh, en tête de faire une réponse qui est construite, qui est bien faite, qui est précise, mais vraiment juste d'être curieux et curieuse de qu'est-ce qui va sortir sur le papier quand je me pose cette question, et vraiment juste regarder et puis être d'accord avec le fait que peut-être ça sonnera juste, peut-être ça sonnera faux, peut-être que dans quelques heures j'aurais pas répondu à la même chose. Euh, c'est un bon moyen d'apprendre à se connaître et de se rencontrer. Souvent, on ne fait pas ça parce qu'en fait, on a peur. On a peur de ce qu'on va trouver. C'est comme si on avait peur d'aller en date avec quelqu'un parce qu'en fait, euh, on aimait mieux les photos, enfin, on aimait bien les photos de profil de la personne et puis sa petite description et on se dit, euh, ben bah voilà, j'ai pu l'idéaliser à partir de ça et j'ai peur de la rencontrer vraiment et d'être déçu. Il y a un peu ça avec soi. On a toujours un peu peur d'être déçu quand on va vraiment se rencontrer et vraiment essayer de rentrer en lien avec soi-même. Et moi, ce que j'ai envie de vous proposer comme vision des choses, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes forcément euh, une bonne personne dans votre système de valeurs, puisque c'est votre système de valeurs. Alors, je suis désolée, j'ai été interrompue euh, par la dératisation de mon immeuble, <laughs> qui, euh, qui ont donc décidé que c'était maintenant et pas un autre moment. Et euh, malheureusement, j'ai pas euh, tout un tas de moments où je peux enregistrer dans mes journées parce que voilà, tout est calé, surtout en cette rentrée. Euh, donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais j'étais en train de. Je suis désolée, je suis un peu essoufflée. J'ai couru dans les escaliers, ouvrir la cave, refermer la cave. <laughs> et euh, je ne sais plus exactement ce que j'étais en train de vous dire. Mais dans les, les, les recommandations que j'étais en train de vous dire, je vous disais que souvent on a peur de se rencontrer parce qu'on a peur de ce qu'on va trouver, comme si la personne qu'on est et qu'on va vraiment rencontrer, c'était une mauvaise personne. On a peur en fait d'être foncièrement une mauvaise personne. Ce qui pour moi est un non-sens parce qu'en fait. On est forcément une personne dans notre conviction euh, interne, c'est-à-dire dans ce qu'on pense être euh, vraiment euh, juste, on est forcément une personne qui est en accord avec ce qu'on croit juste, puisque c'est ce qu'on croit nous-mêmes. Vous voyez, on est, on est forcément en accord avec nos valeurs. Peut-être que nos actions ne le sont pas, peut-être qu'il y a des moments où on n'est on ne, pas exactement comme on est dans nos valeurs. Par exemple, là, avec les personnes euh, qui n'ont pas arrêté de toucher ma porte, je n'ai pas été particulièrement bienveillante. Alors que c'est quelque chose auquel je m'identifie. Je sais que là, mon comportement, il était euh, plein de stress, de euh, il me reste 10 minutes pour finir d'enregistrer ce podcast, et de ce n'est pas ça que j'ai prévu dans mon emploi du temps, et mon temps, il est, il est millimétré, puis j'ai un TDAH, donc pour moi, c'est dès que je suis interrompue, je peux mettre plusieurs minutes à me remettre au travail. Enfin, j'ai organisé tout mon quotidien de telle sorte à ce que euh, je sois... Euh, euh, dans une certaine fluidité dans mon travail et que je sois pas interrompu. Et du coup, quand ça arrive, évidemment, ça arrive parce que la vie, elle est comme elle est avec les gens, euh, ils sont pas à notre merci. Hein. <laughs> ces gens me doivent rien, donc euh, ils font juste leur travail. Du coup, bah, ce genre de moment arrive. Et euh, du coup, dans ces moments-là, euh, je peux ne pas avoir, et comme vous tous, et, comme, et je vous donne cet exemple parce qu'il est très présent euh, là, vu que ça vient de se produire, mais c'est très représentatif, on peut avoir des moments comme ça où on n'agit pas selon nos valeurs. Et du coup, on a peur de trouver... En, 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 en se rencontrant qu'en fait on n'est pas les valeurs qu'on croyait qu'on était vous voyez que on n'est pas ça Alors, en fait c'est pas vrai la plupart du temps ce qui se passe c'est qu'on a des convictions de ce qu'on trouve juste de qui on est et puis bah parfois on n'agit pas selon ces convictions parce qu'il y a des contraintes extérieures parce qu'il y a des choses euh, qui sont juste euh, même physiologiques qui se passe des choses dans notre corps il se passe des choses dans nos vies qui font qu'on n'agit pas toujours comme ça donc ce que je veux dire par là c'est que euh, la la proposition que j'ai envie de vous faire c'est de ne pas avoir cette peur en fait, de vous rencontrer, vous allez forcément rencontrer quelque chose de beau. Vous allez vous retrouver et vous allez voir que euh, si vous avez cette, euh, cette recherche là, si vous avez cette envie là, parce qu'en fait tout le monde ne fonctionne pas comme ça et c'est pas une obligation de découvrir qui on est, de bien se connaître, etc. C'est quelque chose qui est très lié à notre culture actuelle, à nous dans une société où en fait on met en avant l'identité, on met en avant l'individuel et là où pendant des années, des décennies, et même peut-être même des siècles, euh, l'identité était beaucoup plus collective qu'elle n'était individuelle, en fait c'est pas une obligation, donc vraiment rappelez-vous ce que je vous disais un peu plus tôt, qu'il n'y a pas d'obligation et ce c'est pas un problème de pas se connaître, mais que si vous voulez le faire, et ben, vous risquez pas de trouver quelque chose de terrible. Et même s'il y a des moments où vous avez eu des mauvaises intentions, il y a certainement des besoins derrière, il y a certainement des valeurs derrière que vous défendiez. Et donc, c'est ça mon encouragement aujourd'hui, c'est euh, d'aller, de ne pas vous mettre de pression sur sortir de cette errance et d'aller vous rencontrer si vous le souhaitez et, euh, et de, prendre, de prendre le temps de faire ça. Euh, un des moyens que je trouve efficace pour moi c'est le flot de pensée parce que c'est un temps long que vous pouvez avoir avec vous même et c'est vraiment à votre rythme. Euh, si vous avez envie de le faire ensemble comme vous le savez bah du coup euh, coup de main est particulièrement adapté pour ça puisqu'en fait on, on a un rendez-vous quotidien pour les flots de pensée. Je fais aussi des, des ateliers euh, une fois par an au mois de janvier où on fait des flots de pensée pendant une semaine de manière assez intensive. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, de toute façon vous le verrez passer, euh, c'est quelque chose que je propose souvent. J'ai aussi des petits programmes sur 30 jours, 30 questions en fond, avec des thématiques précises. où Vraiment, le flot de pensée, c'est un outil qui vous permet de vous rencontrer et de vous connaître. Hein. C'est vraiment comme en date, poser des questions et discuter avec l'autre. Donc là, c'est la même chose, mais avec vous-même. Donc voilà, écoutez, je suis un peu perturbée sur cette fin de podcast, mais je pense que j'ai à peu près dit en tout cas tout ce qu'il y avait sur mes notes en termes de points que je voulais aborder avec vous sur cette question d'errance. Et euh, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il vous ait plu. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur se sentir bien.coach pour les ateliers, les cercles de parole, les programmes, etc. Et bien sûr, rendez-vous sur ce sentir slash prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiré du 6 sur les claviers azerty français pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance de thérapie ou de coaching. Rendez-vous là-bas. À tout de suite.